Est-ce que ce PSG Milan est capital? Est-ce que c'est vraiment crucial? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce PSG Milan AC. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, est-ce que tu penses que ce PSG Milan, ce match décisif, ce match crucial même à la limite, moi je pense que c'est un match crucial parce que c'est la troisième journée, le PSG a 3 points, le Milan a 2 points. Donc le perdant de ce match joue gros. Le perdant de ce match joue gros. Le perdant de ce match sera en difficulté, sérieusement même. Sérieusement. Imagine peut-être que le Milan aille faire un coup au Parc des Princes, il bat le PSG au Parc des Princes. Ça va mettre une pression colossale sur le PSG au prochain match, colossal. Il faudra absolument que le PSG bat le Milan AC pour reprendre les devants, pour reprendre le contrôle. Donc les amis, le perdant de ce match joue très très gros, sera en grande difficulté et le PSG est favori, mais favori ne veut pas dire gagner. Parce que le Milan a de l'expérience. Le Milan a le vécu de la Ligue des Champions. Le Milan est souvent au rendez-vous dans le gros match de Ligue des Champions. Donc, pour moi, je m'attends à un match serré, un match très serré même. Après, ça va se jouer sur les détails comme sur les grands matchs. Mais moi, je pense que si le PSG met quand même les ingrédients, la folie, ils vont gagner le match. Après, le Milan, les amis, le Milan peut vraiment déjouer le plan tactique de Luis Enrique parce que c'est une équipe qui a une vraie science tactique. Partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.